Bienvenue, je suis tellement heureux de vous retrouver. C'est parti pour un événement exceptionnel. Je suis ici à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. C'est parti pour la piste de la francophonie. 20 heures de direct. On va vivre tout ça ensemble. 18 destinations francophones à la rencontre de tous les talents. Des talents exceptionnels. Ce sont ceux qui font vivre évidemment cette francophonie qu'on aime, pour lequel on est là. On va aller tout à l'heure en Amérique, on va aller en Europe, on va aller en Afrique. On va aller évidemment en Asie et ici, on est en Océanie, dans le Pacifique Sud, on est à Nouméa. Et bienvenue sur TV5 Monde, bienvenue à tous, bienvenue au monde. C'est la première chaîne francophone mondiale qui vous accueille pour cet événement exceptionnel. 4 satellites sont mis à disposition pour vivre tout cela. Vous êtes 364 millions de foyers à nous suivre, 10 millions qui nous suivaient sur les réseaux sociaux. Regardez-nous en direct à la fois sur Facebook, YouTube, Twitter. Vous ne manquerez rien. Hashtag la piste de la francophonie. Et nous allons découvrir ici des choses absolument exceptionnelles pendant ces 20 heures. Coup de chapeau à l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, dont la secrétaire générale Louise Mushikiwabo sera d'ici à peine un peu plus de 2 heures avec Françoise Joly à Paris sur une péniche. Vous allez voir, ça va être absolument formidable. Tout à l'heure, tout de suite après, on ira à Bangkok. Allez, c'est un événement absolument formidable. Merci à France Télévisions et son réseau Outre-mer. Merci à Nouvelle-Calédonie, la première, qui nous accueille ici. Et merci à ma compatriote Mériba Carré. Bonjour Mériba. Quel bonheur d'être ici. Eh bien oui, effectivement, en plus il fait très beau aujourd'hui. Il fait beau. Oui. Il fait beau. Moi, je me dis, Riba, ça fait 32 ans que j'étais venu ici. N'étais pas né. Non, bah, je n'étais pas né. Beaucoup de choses ont dû changer, j'imagine. Non, mais tout est resté beau. Les Calédoniens sont des gens incroyables. Et moi, j'ai connu des gens ici, si je le dis, mais vraiment, j'ai envie de le dire. Joseph Tchaïe, Wallace Cotra, Alain Girold, tous ces gens absolument incroyables qui ont fait vivre cette station. Je suis tellement heureux de revenir. Et puis surtout les Calédoniens, leur gentillesse. Et puis peut-être la façon, nos petites expressions aussi. Ouais. Hein, ah oui, parce que là, on va parler de ça. Et oui. Parce que alors voilà, il faut le dire, Mériba, il y a un dictionnaire de la francophonie interactive. Évidemment, TV5 Monde dans les partenaires. On va trouver des expressions. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'il y a comme expression, par exemple, ici en Calédonie, typique hein? Oh, mais il y en a plein, il y en a plein. Autant, beaucoup sont issus aussi des langues kanak, mais aussi polynésiennes, indonésiennes, de toutes les différentes communautés qui peuplent la Calédonie. Mais on a nos petits français à nous aussi, par exemple. On va toujours se dire « demain ». Pour dire à demain, même si on se voit dans un mois, dans un an. On dit tata demain. Aussi, tata aussi. Ah oui, tata, les Polynésiens à Tahiti disent nana, nous on dit tata ici. C'est quelque chose. Il y a awa. Ça veut dire autant non, voilà, ou la surprise, awa. Awa, on dit awa ici, exactement, c'est ça. Et puis seb, beaucoup de contractions seb pour dire c'est bon. Ah bah seb. Ah bah seb. Voilà, ta pourra tout à l'heure. Moi je me rappelle, on disait oh longin. Longin, oui. Ah oui, beaucoup. Ça, hein. Casse pas la tête. Casse pas avec un K. Hein. Alors, je m'adresse à Bernard Cerchiglini qui prépare son dictionnaire. Voilà. Et il faut qu'il mette tout ça dans le dictionnaire. Oui, j'espère bien. Donc, ah ouais. S'il nous regarde, il y aura de quoi faire plusieurs pages sur la Nouvelle-Calédonie, je pense. Ouais. non, c'est top. Oui, évidemment, Mériba, la Nouvelle-Calédonie, c'est des peuples incroyables. C'est cette diversité. Alors, tout à l'heure, vous allez partir. Oui. Vous allez nous quitter, malheureusement. Mais enfin, on va vous retrouver après. Vous allez à un endroit qui est très beau. On ne va pas dire lequel encore. Mais surtout, vous allez nous parler de gastronomie. Parce que c'est vrai que la francophonie, c'est tout ça. Exactement. En plus, on a cette chance d'être au milieu de ces... C'est un métissage de toutes ces communautés et on le retrouve vraiment, c'est dans la cuisine. C'est là où on s'assoit tous ensemble, là où on se réunit. Et d'où qu'on vient, de quelle culture, on va manger le bami qui est un plat indonésien, on va manger la salade tahitienne qui, comme son nom l'indique, vient de Tahiti, de la Polynésie, on a le nem. Toutes ces influences-là font aujourd'hui la cuisine d'ici, en fait. Et on est tous réunis autour du bien manger. Ouais, il y a plein de langues, aussi. Évidemment, parce qu'ici, on est quoi? On est évidemment kanak, on est polynésien, on est wallisien, on est vietnamien, on est javanais, on est tout ça. Et puis c'est le français qui nous réunit tous quelque part, et donc c'est pour ça qu'on retrouve autant ces différentes cultures dans nos expressions, dans la façon dont on parle, et aussi la façon dont on cuisine. Voilà, c'est toutes ces influences-là. Qui fait cette richesse, en fait, du pays. Ouais, ça va très loin, parce que... Alors, le bougna, évidemment, c'est le plat typique. Traditionnel kanak qui se fait sous la terre. Voilà. Donc, il y a une dimension symbolique aussi. Hein. Oui, c'est très fort. Évidemment. Très fort. On est très attachés à notre culture. Autant les cultures de chacun, d'où qu'on vienne, mais on est avant tout tous calédoniens. Et c'est ça qui est important, qui est beau, au final. Parce que, comme je le disais, d'où qu'on vient, on va tous manger des plats qui viennent de partout.
Ouais. Voilà. Ouais. Et là, on est là, le monde qui nous écoute. On se dit quand même, la Nouvelle-Calédonie, bah, c'est un concentré de monde finalement, c'est un concentré du monde. C'est pour ça que c'est tellement génial d'ailleurs de commencer cette piste de la francophonie ici, dans le Pacifique Sud. Alors là, évidemment, on est un peu plus de 14 heures. À Paris, c'est 5 heures du matin. Oui, c'est les premières heures. Et voilà, et finalement, on vit au rythme du monde ici. Exactement. Et c'est vrai que quand on parle aussi francophonie dans le Pacifique, on est très peu. Hein. Il y a nous, il y a Wallis et Futuna, il y a la Polynésie française. On est peut-être un peu, on va dire, perdu au milieu de tous ces anglo-saxons, j'ai envie de dire. On a l'Australie, la Nouvelle-Zélande à côté, mais on garde ça, ce côté ouais. aussi. La culture française est aussi assez présente ici, malgré la distance. Moi, je sens que vous allez nous donner de l'appétit. Hein, oui, déjà. Beaucoup. Ouais, la bouche, allez, allez. Mais Riba, faut y aller. On oui, vous attend. On ne dira pas l'endroit, ça va aller découverte. Allez-y. À découvrir parce qu'on va vous retrouver dans quelques instants. Ça évidemment, ça continue. Mais alors, moi, j'ai tellement de bonheur à retrouver une artiste qui est là. Mais c'est surtout un sourire merveilleux. Bonjour, Veima. Bonjour. Veima, qui chante en français, qui nous vient de Lifou, l'une des îles Loyautés. Oui, et de Vanuatu de Santo. Vanuatu, c'est une autre île, un autre pays, et partenaire de la francophonie aussi. Oui. Et qui nous chantait quoi? Je vais chanter la première chanson, elle s'intitule Toli. Ça veut dire quoi, Toli? Toli, c'est un mot d'amour qu'on adresse à nos aînés, et ça veut dire grande sœur ou grand frère. Merci Veima, on l'écoute, c'est parti, allez, on est pour 20h en direct, la piste de la francophonie, top envoi ici, on est en Nouvelle-Calédonie, à vous Veima. Dis-moi, pourquoi si vite, pourquoi si brusque, pourquoi tout se quitte, pourquoi si injuste, dis-moi, quel avenir? Si tout se sépare, si tout se déchire, dis-moi, quel avenir, combien de chemins, comment le décrire? Dis-moi, comment survivre, si tout s'en mêle, si tout s'empire? Oh, ne me laisse pas, j'ai besoin de toi, il ne me reste plus que toi. Ton visage, tes sourires me donnent encore la force de vivre. Hey, Toli, Fakukonaï, Aoula, Meloum, Meloum, Ochoaï, Mataku, Toli, Meloum, Meloum, Otalo, Lovoinoko, Mamatao. Que moi, il n'y a personne pour te donner cet amour de parent. Pourquoi chaque jour sont durs, on endure les coups malveillants, les coups maltraitants. À qui? Moi aussi je pleure, moi aussi j'ai peur et je prie. Même si la famille ne change rien, je crois en nous au coude que coude. Alors ne lâche pas, j'ai besoin de toi, il ne me reste plus que toi. Ah, ton visage, tes sourires me donnent encore la force de vivre. Hey, Toli, Fakukonaï, Aoula, Meloum, Meloum, Ochoaï, Mataku, Toli. Que mes larmes caressent tes bras, Toli. J'ai trop peur, ne me laisse pas seule. Besoin de ta présence, de tes bras. Entier a pu apprécier Veima. Veima, chantez là, c'est le monde derrière là. C'est impressionnant. Oui, merci. On va se retrouver tout à l'heure, peut-être avec le temps d'une autre chanson. Allez, on retrouve tout de suite. Je ne sais pas si elle est arrivée, Meriba. Meriba, est-ce que vous êtes arrivée à un endroit que vous allez nous faire découvrir? Vous êtes où en ce moment, Meriba? Patrick, je me trouve actuellement au château Hagen, situé à la Vallée des Colons, l'un des plus vieux quartiers de Nouméa. Ce lieu historique a été construit à la fin des années 1880 par la famille Taragna.
Cette bâtisse est devenue aujourd'hui un lieu de culture dans lequel on y expose régulièrement les travaux d'artistes calédoniens. On vous propose aujourd'hui de découvrir notre pays, non pas en parlant uniquement musique ou littérature, mais en vous initiant à la cuisine de chez nous. Elle représente le métissage des communautés qui peuplent notre île et nous fait tous nous réunir autour d'une seule et même table. D'ailleurs, nos premiers invités en font la promotion de cette cuisine calédonienne, mais nous allons y revenir. Tout de suite, on commence par un reportage sur un produit que l'on doit aux Réunionnais, mais que l'on retrouve sur presque toutes les tables calédoniennes. Il s'agit des hachards. Les hachards sont communs dans le bassin asiatique et se sont répandus sur toutes les îles alentours, mais aussi à La Réunion, l'île Maurice et même jusqu'aux îles du Pacifique. Ce seraient les marins portugais qui, pendant l'ère des colonies, auraient découvert cette méthode qui leur permettait de conserver leurs légumes et leurs fruits à bord des navires. Je crois que les hachards, c'est un produit d'ici. Je pense, je sais pas trop l'origine, mais je crois que ça vient d'ici. Je sais pas, peut-être c'est réunionnais ou je sais pas, dans les trucs entiers comme ça, ou Guadeloupe, ou je sais pas, par là. Je sais pas si c'est originaire de la Calédonie, mais bon, parce que bon, chez les pays asiatiques, il y a beaucoup d'hachards. De la Martinique, les créoles. Peut-être. Ça aussi, ils en font beaucoup. À l'origine, peut-être d'Inde, je ne sais pas. J'ai fait accompagner avec, par exemple, la viande. Sinon, quand j'ai envie de me faire un sandwich, là, ben, je mets ça aussi dedans. Des samoussa, de la viande hachée, du poisson, des légumes. Je l'ai fait moi-même. Je fais des hachards légumes, citrons, et puis divers produits de la mer, poulpe, crevettes, bénitier, troca, quand je trouve, quoi. Pas de chiffre officiel sur le nombre d'hachards produits en Nouvelle-Calédonie, ni sur le nombre de producteurs. Mais il existe des spécificités d'hachards propres à la Nouvelle-Calédonie. Il n'y a qu'ici que vous trouverez notamment les hachards de troca. Le succès du condiment est tel que des industriels se sont lancés dans sa fabrication. Donc on fait des hachards de poule, de crevettes, de langoustes, de troca, de crabes. On fait aussi du légume parce que c'est ce que les Calédoniens ils aiment. L'idée m'est venue de produire des hachards. En fait, elle vient pas de moi, elle vient surtout de mon mari qui est pêcheur professionnel. Et je me suis dit, il faudrait que je trouve quelque chose en fait pour transformer en fait tout ce qu'il pêche. Donc du coup, on s'est lancé dans l'aventure il y a 4 ans. Bon, c'est produit des vieux d'avant, ça a toujours été, je pense. C'est un peu dans toutes les familles, on en trouve. Chacun sa recette un peu. Il y a une bonne consommation. C'est comme la mayo ou comme la moutarde en métropole, quoi. Voilà, c'est un produit qui se retrouve sur toutes les tables, quoi. J'en mange pratiquement tous les jours sur pratiquement tous les plats, puisqu'en fin de compte, c'est un condiment qui me plaît beaucoup. Parce que tous les repas, hein. Surtout les légumes, hein. Allez, sans mentir, peut-être une fois par semaine, deux fois. Ben, quand il y a les repas familiaux. Et tout le monde consomme du hachard. Hein. Tout le monde consomme. Ouais, il n'y a pas de maison ici qu'on arrive depuis que. Il n'y a pas le pot d'hachard. Hein. Si l'on ne sait pas exactement comment les hachards sont arrivés en Nouvelle-Calédonie, on sait qu'ils font désormais partie des spécialités locales incontournables et qu'ils sont consommés à toutes les sauces. Avec mes deux premiers invités, j'ai avec moi Olivier Polizzi qui est chef cuisinier. Bonjour Olivier. Bonjour. Et Christophe Langer qui est co-créateur de l'association Les Toqués du Caillou. Bonjour Christophe. Alors merci à tous les deux de participer à cette opération. Alors je vais commencer par vous Olivier Polizzi. Donc vous avez passé 18 ans en France et c'est donc là que vous avez commencé à faire la cuisine. Alors comment se sont passées justement ces années en France? Qu'est-ce que vous avez ramené en Nouvelle-Calédonie? C'est une histoire de 18 années de cuisine, enfin en partant de l'apprentissage jusqu'à chef de cuisine. J'ai appris tout ce qui était technicité, le respect des produits, les bons produits, l'imagination, la créativité. Et jusqu'à arriver à un poste de chef de cuisine en France où j'ai pu prouver mes valeurs. Après, je suis revenu sur le territoire. Et maintenant, ce que j'ai appris de ces grands chefs, je les transmets à nos jeunes, que j'ai soit en stage ou que je vais donner des cours dans certaines écoles.
Et moi, ça me procure de la joie et eux aussi, voilà. Et quels sont justement ces grands chefs avec qui vous avez pu avoir la chance de travailler avec en France ? Ben, j'ai travaillé 5 ans avec Joël Robuchon et autant d'années avec Alain Ducasse. C'est des bonnes années, voilà, mais c'est pas facile. Rien n'est facile, hein. De toute façon, tout se paye à la sueur du front. Et ça a été le cas pour moi et comme tout le monde. Mais maintenant, ce sont des bonnes années. Ce sont des bons souvenirs qui restent. Est-ce que vous avez pu profiter de cette opportunité justement d'apprendre la cuisine en France aux côtés de grands noms de la cuisine française pour représenter un petit peu le Caillou, la Macédonie, ou parler un petit peu de la cuisine d'ici ? Ben, durant toutes ces années-là, non, parce que je suis parti assez jeune du territoire, ne connaissant pas vraiment les produits calédoniens. Il n'y a que maintenant, à mon retour, où je me suis vraiment plongé sur les produits calédoniens et sur les efforts que sont faits par certaines sociétés ou agriculteurs pour justement lancer des produits qu'on n'avait pas auparavant, que l'on a maintenant. Et maintenant, par le biais de l'association, ça me permet aussi de développer tous ces produits-là et de les mettre en valeur dans l'assiette. Voilà, donc est-ce qu'il y a aussi des produits en particulier ou des plats auxquels vous pensez qui méritent vraiment d'être connus et reconnus en France sur les grandes tables des restaurants français ? Pas vraiment. En fait, c'est à l'inspiration. Moi, tout est acté sur le produit. Il faut que je voie le produit. Que ce soit au marché, que ce soit avec un fournisseur ou certains qui nous ont livré des tomates qui étaient magnifiques une année. Là, forcément, les yeux pétillent et puis l'inspiration va très vite. Quand on a des bons produits, tout va très vite. Justement, vous, Christophe, qui êtes co-créateur de cette association Les Toqués du Caillou, est-ce que vous pouvez nous présenter justement quelles sont les missions et les objectifs de l'association ? Alors, au départ, j'étais parti sur la création d'un livre de recettes de Nouvelle-Calédonie et les produits. Et avec Stéphanie, on a mis en commun notre savoir et on s'est dit, on va faire un livre à tiroir. Et du coup, on est parti sur un blog de cuisine où on part de la terre jusqu'à dans l'assiette. Donc, ce n'est pas un blog professionnel. Les gens qui cuisinent à l'intérieur ne sont pas que des professionnels, mais des gens de tous les horizons. Et l'idée, c'était de partir avec, si aujourd'hui, c'est la saison des mangues, qu'est-ce que je vais faire avec les mangues ? Demain, c'est la saison de la salade, qu'est-ce que je peux faire ? Donc, d'expliquer aux gens comment ça fonctionne de la terre jusqu'à dans l'assiette. Donc vous présentez également donc les producteurs, c'est tout le monde, c'est toute cette chaîne. Oui, en fait, on présente cette chaîne de production. En fait, s'il n'y a pas de producteurs, on achète des boîtes. Enfin, oui. Je veux dire, il faut dire ce qui est. L'idée, c'est quand même de mettre en valeur tous ces gens. Ils se lèvent le matin à 3h30, 4h pour aller bosser. Certains, donc, plus tôt que nous, finissent très tard. Ils ont des boulots qui sont effectivement assez durs, qu'on ne voit pas tous les jours, parce qu'on ne voit que le produit fini, mais on ne voit pas tout ce qui est le travail derrière. Et donc, nous, l'envie, c'était de montrer tout ce que ces gens-là étaient capables d'apporter à nos assiettes. Le travail de chef, c'est une chose, mais il y avait un chef qui disait si on donne de mauvais produits à un chef, il sortira un mauvais plat. Donc voilà. Et puis ça peut être intéressant aussi pour les consommateurs de savoir d'où viennent leurs produits et de les connaître un petit peu plus. Avec la modernité aujourd'hui, et on voit ça partout, donc la Calédonie, elle échappe pas à la règle, les gens veulent manger de tout de suite. Donc que ce soit la saison des fraises ou pas, on veut manger des fraises. On a encore cette chance où on garde des litchis. Alors je ne sais pas pourquoi c'est resté un terrain, on va dire, secret. Les litchis, c'est que pendant les vacances scolaires. Mais si on avait l'opportunité d'avoir des litchis toute l'année, on mangerait des litchis toute l'année. Et ce qu'on voulait montrer au travers des toqués, c'est de respecter cette saisonnalité. Il n'y a pas de litchis, mais c'est pas grave, on va manger autre chose. Et on essaie de tendre les gens vers ça, et aussi les chefs de cuisine avec qui on travaille. Vous essayez aussi également donc, de promouvoir cette cuisine calédonienne. Et comment on pourrait justement la définir pour des gens qui ne la connaissent pas, cette gastronomie locale ? C'est, je dirais, pas vraiment une gastronomie locale, je dirais que c'est une identité. Ça nous représente, nous, Calédoniens, que de toute ethnie confondue, une origine qui est depuis 150 ans. Des personnes qui sont arrivées par bateau, comme les Indonésiens, comme les Japonais, comme les Vietnamiens, les Tahitiens, etc. Et ils ont tous apporté culinairement quelque chose. Et ce quelque chose est devenu l'identité de la Nouvelle-Calédonie. C'est difficile de dire, de ne pas parler de la Nouvelle-Calédonie de
qu'on voit dedans, que ce soit le bougnat, mais également le bami. Bami, bougnat, maintenant, c'est la même identité. Et c'est ça qui fait que c'est fort, que dans ce pays, on a des choses extraordinaires qui viennent de beaucoup d'endroits dans le monde. Alors, donc oui, justement, pour parler de cette cuisine métissée, est-ce que c'est pour vous, selon vous, une force, justement, que ça donne au pays et qu'on se réunit tous, malgré les différentes communautés, les différentes cultures, mais que c'est autour de la table qu'on peut être, justement, tous ensemble? Il y a un président de la République, mais je ne me rappelle plus lequel, qui disait que tout se fait autour de la table. Mmh. Donc, en France, c'est une culture... Tous les contrats, tout se signe autour de la table. Et en Calédonie, ça, on ne fait pas exception. Et ce qui est bien, justement, de l'histoire de cette Calédonie, disait Olivier, que les gens sont arrivés avec leurs ingrédients, leur savoir-faire. Et aujourd'hui, sur n'importe quelle table calédonienne, on retrouve tout ça. Je veux dire, je ne suis pas vietnamien, mais je fais du nem, des pains au sucre, je sais faire un bougnat, même un vrai bougnat qui soit fait en terre comme il doit être fait traditionnellement. Mais on fait aussi du canard. Enfin, on s'est approprié, en fait, tous ces événements qui sont arrivés au fur et à mesure avec les gens, et on a récupéré ça et on a fait effectivement une cuisine calédonienne. Mais il n'y a pas une définition, il n'y a pas un plat type, c'est l'ensemble des composants de la Calédonie qui a créé la cuisine, en fait. Comme on peut la retrouver en métropole, il n'y a pas un plat français, chaque région a son plat. Et bien nous, on a eu de la chance et chaque personne qui est venue en Calédonie a apporté son plat avec lui et c'est devenu notre plat, quoi. J'ai envie de parler aussi un petit peu des générations qui arrivent. Est-ce que c'est important pour vous, Olivier, dans la cuisine, de transmettre justement ça, cet amour aussi, Christophe, que vous donnez avec l'association Les Toqués, l'amour des bons produits, de la bonne cuisine? Oui, transmettre, ça fait partie. J'ai appris de chef, maintenant à mon tour, d'apprendre à nos jeunes. L'avantage, c'est que c'est vrai que j'ai appris en France avec des chefs de renom. Maintenant, je suis rentré au pays et je le transmets à nos jeunes. Voilà. C'est bien, en fait, ça fait partie de mon devoir, en fait, de l'enseigner avec les bonnes techniques pour qu'on puisse vraiment sublimer chaque plat, même des plats locaux, pour pouvoir les sublimer, vraiment arriver au final dans l'assiette. Est-ce que vous, ce serait important pour un jeune, par exemple, de partir et faire une expérience un petit peu comme la vôtre, passer du temps à l'extérieur pour pouvoir ramener quelque chose au pays une fois terminé? Ah oui, je ne peux pas dire le contraire, je ne peux pas dire aux jeunes, non, ne partez pas, restez sur le caillou. Oui, nos jeunes, partez, allez voir d'autres pays, allez dans d'autres pays, où vous verrez que les gens sont aussi sympas et qui culinairement, ils ont quelque chose à nous apporter, ils ont quelque chose à nous permettre de mieux travailler chaque élément, de les sublimer et de revenir sur le caillou après, pour faire la même chose que moi, c'est-à-dire de cuisiner, de toujours avoir le produit de base et se dire comment je pourrais sublimer ce produit sans le détériorer. Et ça, c'est... On ne peut que l'apprendre de quelqu'un. Je crois que, évidemment, il n'y a pas photo. Si on reste enfermé chez soi, quelle que soit la nature des choses qu'on va faire, on ne va jamais progresser. En fait, l'ouverture d'esprit, elle est valable pour tout, et encore plus dans la cuisine. C'est la curiosité. On dit que la curiosité est un vilain défaut. Non, je crois que c'est une très belle qualité. C'est ce qui fait qu'un chef est grand, c'est sa curiosité. En fait, il va aller se balader au travers les marchés, au travers les producteurs, découvrir des produits, goûter, voir comment ils sont produits, comment ça fonctionne. Et à partir de là, son imaginaire va se mettre en place et va créer. S'il n'y a pas cette curiosité, donc d'aller voir ailleurs, ben on va très vite arriver à nos limites et on ne sortira pas. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a Internet qui nous permet d'aller voir quand même plus loin, mais il n'y aura pas le contact humain. Donc c'est moi, j'ai pas eu cette chance là de pouvoir partir, mais mes enfants, ben c'est ce que j'aurais dit. Donc aujourd'hui, ils sont partis voir ailleurs comment ça se passe, pas dans le milieu de la cuisine, mais bon, c'est comme ça, mais au moins ils ont cette ouverture d'esprit et elle est nécessaire pour la cuisine. Oui, le renouveau est quelque chose de très important, justement, pour pouvoir, parce que la cuisine, c'est quelque chose qui se réinvente tous les jours au final. Oui, bien sûr, la cuisine, en fait, c'est surtout ce que l'on a dans l'esprit. Ce que notre imaginaire. Après, c'est le produit. On a un produit et puis on essaie de le mettre en avant, on essaie de le travailler. Bon, en Nouvelle-Calédonie, on a beaucoup de plats qui sont d'origine, qui sont très, très anciens. Et c'est vrai que ces plats-là, de leur mettre une touche de créativité, sans exagérer non plus,
Mais c'est bien, ça permet ça de voir autre chose, d'avoir un meilleur palais, de travailler son palais et au final un meilleur ressenti du plat. Justement, vous parlez de plats traditionnels, est-ce que des fois c'est pas un petit peu compliqué de voilà, vouloir moderniser quelque chose de traditionnel qu'on a toujours fait de la même façon et ça dénature pas quelque part ou on arrive à avoir justement un juste milieu Je le dis en plaisantant, mais... Je dis toujours aux gens qui viennent me voir au gîte là, que les Calédoniens n'aiment pas les changements d'habitude. Quand on change la voie de circulation, qu'on met dans l'autre sens, tout le monde gueule pendant des semaines. On n'aime pas le changement. Et au bout de quelques temps, on s'aperçoit que le changement était pas mal et on se demande pourquoi on ne l'a pas fait avant. Et c'est pareil, quand on part sur un plat traditionnel ou une cuisine traditionnelle, ça doit être fait comme ça. Quand on change, c'est pas bon parce que les gens ne sont pas habitués à ce changement-là. Et du coup, il faut apporter ce changement, mais dans la continuité, oui. tout doucement. On ne peut pas du jour au lendemain dire ben, le bougnat, c'est comme ça, c'est pas possible. Donc, on travaille avec les produits, on travaille avec la façon de faire et on apporte la modernité petit à petit. Quoi. Alors, une dernière question à tous les deux. Y a-t-il aujourd'hui un produit qui est venu de l'extérieur, mais qui est maintenant devenu un produit d'excellence en Nouvelle-Calédonie? Moi, il me vient à l'esprit deux produits, mais je parlais plutôt de la viande en particularité. On a la chance d'avoir des élevages en plein air. Donc, du coup, on se retrouve avec notre climat sur la côte ouest qui reste, comment on va dire, clément toute l'année. On se retrouve avec une viande de qualité extra. Et honnêtement, le bœuf local, c'est, on n'a pas à rougir des autres productions. Mmh. Olivier ? Moi, je pense au miel. Pourquoi ? Parce que sur le territoire, nous avons des plantes, des fleurs, des arbres qui donnent des fleurs d'exception. Et ce qui donne avec un miel très particulier. Bon, je dis un miel, mais bon, il y en a beaucoup de miel différents. Ça donne vraiment des particularités et des goûts et des odeurs qui sont vraiment endémiques à notre caillou. D'accord, ben merci beaucoup à tous les deux. Merci Olivier, merci Christophe. Merci de nous avoir invités. Justement, Christophe, vous parlez de la qualité de la viande bovine. Coup de projecteur sur une exploitation bovine calédonienne. La côte ouest de la Nouvelle-Calédonie est souvent décrite dans les brochures touristiques comme la région des stations d'élevage, avec ses énormes propriétés gérées par les broussards. C'est vrai, mais cela le devient de moins en moins, à l'instar des pays voisins où l'on constate une diminution des cheptels engendrée par la fermeture de certaines exploitations. Plusieurs raisons à cela. La sécheresse depuis 6 ans, la tique résistante dans les pays chauds et humides, et pour la Nouvelle-Calédonie, ajoutez à tout cela les problèmes fonciers. À Bouloupari, à 1 heure de Nouméa, la capitale, rencontre avec Carlins Grenier, qui gère 2 stations. Carlins est né pour être éleveur et il aime cela. Son père l'était, son grand-père aussi, et les exploitations se transmettent de père en fils chez les Greniers. Je suis de 5e génération, installé en Nouvelle-Calédonie. Mon aïeul est arrivé ici en tant que militaire à bord des bateaux qui amenaient les déportés là. Et donc il a été malade, il est resté ici. Et donc mon grand-père était éleveur, mon père est éleveur et ben voilà, moi je garde c'est la tradition. J'ai racheté cette propriété-là à mon père il y a à peu près 25 ans de ça. Et voilà, j'exploite aussi des bovins, quoi. Uniquement pour de la viande, pour production de viande. Selon la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie, il y aurait actuellement 530 exploitations professionnelles avec une surface moyenne de 200 hectares, sachant que c'est très variable selon les zones, avec des écarts types très importants. L'Institut des statistiques en dénombrait 1199 en 2012 et 1469 en 2002. Je pense qu'avant, il y avait beaucoup plus d'exploitations, peut-être le double. De toute façon, on voit, c'est que le tonnage de viande. Moi, j'étais à l'école, j'étais en CM2 là, dans les années 75 à peu près. On était 90 000 habitants, il y avait 90 000 têtes de bétail. Aujourd'hui, on est 300 000, je crois qu'il ne reste plus qu'une quarantaine de mille de têtes de bétail, vous voyez. En dépit de la diminution des cheptels, la Nouvelle-Calédonie produisait l'an passé 2886 tonnes. Mais la production est à la baisse proportionnellement à celle du nombre d'exploitations. Donc ça, c'est la dernière molécule qu'on utilise, un produit qui s'appelle le tactique.
Et c'est donc c'est la dernière molécule c'est qu'on utilise en bain. Et donc à nous de faire très attention, de ne pas trop l'utiliser pour ne pas rendre les bêtes, les tiques là, résistants. Viens, ouais, ceux-là, c'est des bêtes, ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas été baignés. 6 mois qu'ils n'ont pas vu la douche. Là, aujourd'hui, je vais les passer, comme ça, je vais les mettre dans Iron, là, et puis je vais être tranquille. Allez là, hé! Hé! La tique, c'est comme la mouche, hein, c'est une petite bête là, qui monte sur la bête, qui la pompe, qui pompe le sang, hein, qui bouffe les globules rouges et qui lui transmet des globules blancs. Quoi. Et la bête est anémiée et puis la bête crève, quoi. Arrive à crever en l'espace de 10 jours, la bête crève. Quoi. Une dizaine de races sont exploitées. Au départ, des races françaises, comme la limousine et la charolaise, ou encore la blonde aquitaine, puis ont été introduites des races anglo-saxonnes, comme la brahmane, extrêmement résistante à la sécheresse. Foncier, en une quarantaine d'années, 160 000 hectares ont été restitués aux clans autochtones. Carlins considère qu'il fallait effectivement partager les terres, mais aussi former les exploitants à ce métier difficile. Au bout de 3 générations là, que je suis dedans, là, mon grand-père, mon père, et ça, je suis resté parce que c'était quelque chose que j'aimais, que j'ai vécu avec, que j'ai baigné dedans. Mais je vous dis, c'est pas facile un jeune aujourd'hui que vous le mettez à la terre ou quelqu'un qu'on a donné de la terre puis qu'on demande aujourd'hui de faire de l'élevage. Ça demande quand même du professionnalisme. On ne devient pas éleveur du jour au lendemain. Quoi. On attribue les terres sans être formé. Il n'y a aucun suivi. Il n'y a pas eu de suivi derrière. Oui. S'installer aujourd'hui en tant qu'éleveur, le métier, difficile, n'attire pas beaucoup de jeunes. Et l'investissement financier est colossal. Aujourd'hui, acheter de la terre, 160 millions, 200 hectares, oui, comme c'est à l'heure actuelle là, sur Watom, là. Pour un jeune s'installer, c'est impossible. Oui. Aujourd'hui, les banques ne suivent plus. Oui. Les jeunes, ben, s'il n'y a pas de terre, tu ne fais pas d'élevage. Hein, ça, c'est réglé. On a un bon mode de vie, mais par contre, c'est difficile. Ça devient de pire en pire. Hein. Avec leur chapeau de cow-boy, Carlins et son fils travaillent dur de l'aube au coucher du soleil. Les vacances, c'est seulement lorsqu'il pleut. Et ces dernières années, ce n'est pas vraiment le cas. Mais ils aiment cette liberté. Ils aiment leur vie. C'est dans leur sang. Je me trouve maintenant avec 2 jeunes étudiantes au lycée professionnel commercial et hôtelier Auguste Escoffi à Nouméa, Jennifer Théambouéon et Emma Wachetine. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, juste un petit peu plus tôt, je recevais 2 cuisiniers professionnels. Est-ce que c'est ce que vous souhaiteriez faire plus tard ? Pour moi, oui. Pour vous, Emma, et pour vous, Jennifer ? Oui, pourquoi pas, tenter l'expérience. Et qu'est-ce qui vous plaît, justement, dans ce métier ? Moi, personnellement, c'est pour approfondir encore plus mes connaissances en cuisine. Vu que j'ai fait un bac pro service, mais en BTS, j'ai appris à cuisiner et que j'aime la cuisine. Et pour vous, Jennifer, qu'est-ce qui vous plaît justement dans le fait de faire la cuisine ou de faire de la pâtisserie? Parce que c'est ce que vous étudiez, c'est ça? Oui, c'est découvrir des choses que moi-même, j'ai jamais fait. Et vous avez toujours cuisiné avant ou comment ça s'est passé? Non, pas du tout. Moi, oui, ça me donne envie de faire beaucoup de choses dans la cuisine. Et dans la pâtisserie aussi. Oui, la pâtisserie, c'est quand même quelque chose de très exigeant aussi. Donc, oui. Mais ce sont des passions pour vous aujourd'hui? C'est quelque chose que vous aimez beaucoup faire? C'est plutôt de la créativité, de nouvelles choses qu'on apprend et qu'on peut découvrir à travers ce qu'on fait. Est-ce que vous seriez prête à partir justement à l'étranger, comme l'a fait le cuisinier, par exemple, Olivier Polizzi ou encore Alphonse Cotzé, pour faire de nouvelles expériences et apprendre plus? Oui. Si c'est pour apprendre des choses qu'on ne connaît pas encore, oui. Selon vous, ça pourrait vous apporter justement de partir à l'étranger? Ben pour moi, c'est une bonne expérience et c'est des bonnes choses que Alphonse Cotzé nous emmène aussi par rapport à ce qu'il fait en tant que dans la cuisine. Et pour nous, est-ce que vous pouvez peut-être expliquer un petit peu à nos téléspectateurs qui nous regardent qui est justement ce cuisinier? C'est un jeune qui vient de Marais, qui est passé aussi au lycée Escoffier, là où on est scolarisé, et qu'il est parti à Dubaï pour faire
il a fait ses études à l'extérieur et que là, il est chef cuisinier sur Dubaï. Est-ce que vous pensez que justement partir, mais pour revenir, ou justement faire comme Alphonse et rester à l'étranger? Rester et découvrir d'autres pays, d'autres cultures, d'autres cuisines. Pour moi, je ne sais pas, vu qu'il y a la famille, c'est un peu dur, mais si c'est pour notre bien, il faut qu'on y aille. Est-ce que vous pensez, par exemple, cette idée de partir et en profiter pour justement promouvoir la cuisine calédonienne, les produits et la culture par la même occasion? Oui. C'est important d'être un peu l'ambassadeur. Et est-ce que vous pensez particulièrement à un plat ou un produit qui serait intéressant de montrer au monde? Ben moi, j'ai effectué mon stage sur Lyon. Et du coup, moi, j'ai parlé d'un plat typique calédonien, par exemple le bougna. Comment on fait ce plat typique calédonien? Pour revenir un petit peu sur le monde professionnel de la cuisine, majoritairement composé d'hommes, qu'est-ce que vous pensez de ça, justement? Que nous, les femmes aussi, on peut. En Calédonie, il y aura plus de femmes qui vont se... En se motivant, oui. Oui, il y aura plus de femmes en cuisine. Vous avez déjà effectué des stages, vous savez un petit peu les réalités du métier? Oui. Il y a de l'action, t'es toujours en rythme. C'est ça qui me met dans l'ambiance. Oui. Ce sont de longues heures de travail, il faut savoir travailler en équipe aussi. En équipe. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à apprendre, justement? Non, pas forcément. Tant qu'on est débutant, oui, mais sinon, si on est vraiment basé dedans, si on a vraiment connu depuis la seconde, tout est dans la tête, quoi. Eh bien, merci à toutes les deux. On continue tout de suite avec un autre reportage, cette fois-ci, non pas sur un produit, mais un plat traditionnel kanak, le bougna. Traditionnellement cuit dans un four créé à l'aide d'un trou dans le sol et recouvert de pierres chaudes. Technique également utilisée par nos voisins maoris avec le hangi ou encore le laplap vanuatu. Le cuisinier Gabriel Levionnois nous propose une version plus moderne et revisitée de cette recette traditionnelle. Le bougna rythme la journée de la tribu. En général, ce sont les femmes qui vont au champ chercher les légumes pour les éplucher ensuite, et les hommes s'occupent de la préparation du four. Traditionnellement, le bougna se cuisine avec du poulet. Mais avec l'augmentation des fêtes culturelles, des variantes ont été proposées. Et aujourd'hui, on le cuisine avec du poisson, du crabe et même de la langouste. Comme ce plat traditionnel s'adapte à son époque, il est régulièrement revisité par les jeunes générations. Et aujourd'hui, Gabi Levionnois, chef cuisinier, est parvenu, comme il aime à le dire, à urbaniser le bougna. En rencontre avec un passionné de cuisine et de culture. Dans le bougna, tu le mets en bas ou en haut? Le taro, c'est toujours en bas? C'est meilleur celui-là dans le bougna. Hein. Bon, celui-là, là. Oui. Pourquoi celui-là? Il reste un peu ferme, tu vois. Nous, on fait toujours le bougna avec cette variété-là, le taro 2. Ok. Après, je vais prendre un igname et une patate douce. Ok. Quelle variété d'igname, le wild ou le igname mort? Je vais prendre l'igname que toi, tu aimes bien manger dans un bougna. Le wild. Le wild? Oui. Après, toi, tu mets quoi? Taro 2. Un taro 2, là. Hein? Ok. Ça, pour toi, c'est le trio gagnant dans le bougna? Ouais. Ici, à Nouméa, dans la capitale, en milieu urbain, on ne peut pas faire le bougna de façon traditionnelle. C'est-à-dire chauffer des pierres, faire un feu, et ensuite l'envelopper dans des feuilles de bananier et le cuire dans ce qu'on appelle le four océanien, quoi. Là, on va le rendre accessible à ceux qui sont peut-être même nostalgiques du bougna. Le rendre accessible en milieu urbain. Ouais. En Calédonie, au beau milieu du Pacifique Sud, nous, les produits sur lesquels on travaille, ce sont les tubercules. Et là, en fait, vous avez les trois tubercules phares qui peuvent composer un bougna. Donc la patate douce, le taro, qui est un élément, lui, féminin, et l'igname, qui est pour le coup, lui, l'élément sacré. Et cet ingrédient-là, il est quand même... d'un point de vue culturel, très important. Après, bah, pour le reste, on a de la papaye verte, on va utiliser donc des christophines. Ça, c'est des bananes, certains les appellent les bananes plantain, nous, on les appelle les bananes poingou. Voilà. Et l'autre ingrédient phare, c'est donc le coco, qu'on a acheté râpé ce matin, prêt à l'emploi. Hein. Par rapport au bougna traditionnel, Gabi ajoute d'autres éléments, comme entre autres le liseron d'eau et des épices. Ça repart dans le champ. On a la maman et ça devient le bébé. Et dans 9 mois, on aura un autre igname. Mais du coup, cet igname,
si on regarde sa généalogie, il vient de l'ancestralité. Donc c'est pas juste un aliment, c'est toute une histoire et une culture qu'il y a derrière. Les bocaux sont stérilisés et les légumes et féculents précédemment épluchés sont intégrés dans ceux-ci. Donc voilà, là on a tout le marché dans un bocal. Donc ça c'est notre base. Maintenant on va l'aromatiser. On va mettre le lait de coco. Et moi justement j'ai fait un bouillon de crevettes. Parce que les crevettes, les têtes de crevettes, on les jette. C'est quand même malheureux et on peut utiliser pour parfumer. Avec la citronnelle, je vais mettre quelques feuilles de curry. Donc ça c'est très asiatique, très thaïlandais. En fait. Donc célébrons nos cultures. Là, en fait, on va avoir un mélange de cultures. Moi, je vais rajouter un peu de lait de coco frais. Alors voilà, ça va être prêt dans 2h30. Alors, on pourra en manger ce midi et on peut en manger pour les mois à venir, bah, comme tous les systèmes de conserve. Donc, pour tous ceux qui sont nostalgiques du bougna, de l'igname, bah, vous pouvez en avoir en milieu urbain. Certes, c'est pas une grande invention, mais je vous dis que pour l'instant, j'ai pas encore vu de bougna en conserve. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà, c'est ce que je voulais un peu présenter aujourd'hui. Cette possibilité de faire aussi du bougna d'une autre façon. Alors voilà, on va déguster maintenant. C'est toujours particulier de présenter un plat traditionnel dans un restaurant de la capitale. Mais bon, voilà, en tout cas, moi je pense que le bougna, il a ses lettres de noblesse. Ça part d'ingrédients, ça part d'une culture. Et après, on peut pas la revisiter, mais on peut quand même trouver un moyen de continuer à vivre sa culture. Et voilà, nous sommes à présent dans le potager du parc du Château Haguenne avec mes deux derniers invités. J'ai avec moi Gaby Levionnois qui est donc cuisinier. Bonjour Gaby. Bonjour Mariba. Et Larry Kaouma-Martin qui est sociologue. Bonjour. Alors, première question, c'est pour vous Gaby. Dans mes premiers invités, j'ai reçu donc des membres de l'association Les Toqués du Caillou qui, eux, estimaient que la cuisine calédonienne mérite d'être connue dans le monde. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, je partage cet avis de vouloir en fait rayonner la culture culinaire du Caillou dans le monde et dans la région. Je pense que c'est important. Surtout, en fait, dans cette démarche, il y a mieux raconter en fait, qui on est à travers notre alimentation, à travers notre culture culinaire. C'est quoi nos plats, en fait? Qu'est-ce qui nous définit en tant que culture culinaire? Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, justement, cette cuisine calédonienne? Ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle est intégrée dans un paradis dans lequel il y a plein de produits locaux. Ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle a été aussi, entre guillemets, assaisonnée par différentes autres cultures. Maintenant, on a besoin de la définir davantage. Et le fait de la faire rayonner, ça va nous permettre un petit peu de mieux définir en fait ces plats, ces assiettes. Et quand on parle de culture culinaire, c'est aussi partout là où on mange, y compris à la cantine. Donc c'est peut-être d'accorder un peu plus d'importance en le disant au reste du monde, mais d'accorder plus d'importance à ce que l'on mange localement. Alors vous parlez justement donc de culture culinaire et la question pour vous, Larry, en tant que sociologue, est-ce que vous pensez que justement cette culture culinaire peut être le reflet de l'identité d'un pays? Exactement, mais d'autant plus que peut-être la cuisine calédonienne, c'est aussi la cuisine du monde. Je fais exprès de dire ça, c'est parce qu'il y a une évidence, c'est celle de la table. Regardez la table, on parle beaucoup de vivre ensemble. On essaie de jeter le vivre ensemble de l'organisation des villes, de l'organisation, on va dire, du social. Mais quand on regarde bien au niveau culinaire sur la table, nous avons le bougna, cet enracinement, ce plat qui émerge d'ici avec les ignames, les tarots et puis d'autres aliments. Nous avons en même temps à côté le nem. Nous avons l'hamburger. Bref, sur la table calédonienne, on a l'impression que c'est le monde qui s'invite à la table. Mais la différence, c'est que peut-être la table calédonienne, elle réinvente, elle repense, elle revisite le monde. Et c'est ça la force. Je vais vous donner l'exemple de personnes qui sont à l'extérieur, telles que des étudiants calédoniens. Lorsque l'on dit, présentez-nous, quelle est votre identité? Eh bien, vous savez ce qui se passe? Il y a deux choses. On fait le bougna, pour certains, et en même temps, on l'associe. Ou pour d'autres, on fait ce que l'on appelle le bami. Le bami qui est un plat d'origine indonésienne. Et on va même dire ça, un plat calédonien d'origine indonésienne. Sauf qu'il est revisité. Je dis ça pourquoi? Parce que je vais aller plus loin avec ces personnes qui sont en Australie, qui sont des étudiants tahitiens, et qui ont proposé de vivre la communauté océanienne, la communauté du Pacifique, avec ce plat, ce bami, en partageant avec des étudiants calédoniens. Devinez ce qui s'est passé? Le plat n'était pas du tout le même, le bami n'était pas du tout le même.
C'était simplement des pâtes blanches, épurées de cette sauce qui l'accompagne. Donc vous voyez, pour les Calédoniens, c'est dit, mais c'est pas ça le vrai bami. Et si, pour eux, c'était le vrai bami. En fait, où que l'on soit, dans n'importe quel monde où l'on se situe, on revisite les plats qui viennent de l'extérieur, par rapport à notre spécificité ici. Donc j'ose dire que le vivre ensemble, c'est peut-être avant tout vivre l'ensemble des goûts qui nous parcourent. La bouche a déjà fait le vivre ensemble depuis longtemps, plus que l'esprit. Effectivement, justement, parlant de revisiter des recettes, on a pu voir dans le reportage juste avant que Gabi, vous avez revisité donc ce fameux plat, le bougna. Et j'ai envie aussi de vous demander, est-ce que vous partagez l'avis justement de Larry autour de toute cette culture culinaire ? Oui, de toute manière, l'art de la table, manger ensemble, ça fait un bout de temps qu'on le fait. D'accord ? Donc, on peut parler, mais bon, on le fait, on le mange, les produits locaux, on mange ensemble. Et on mange différentes cultures culinaires au final. Maintenant, oui, ça demande à être un peu mieux défini. Le terme de revisiter, moi, je ne l'apprécie pas beaucoup. Parce que un bougna, c'est un bougna. Voilà, ça, ouais. C'est ancestral, c'est un plat qui est défini, qui est traditionnel. Maintenant, en milieu urbain, ou pour des personnes qui sont à l'extérieur de la Calédonie, ou pour des touristes qui viennent manger, entre guillemets, notre culture culinaire, là, il faut pouvoir l'adapter. En fait, c'est de pouvoir utiliser des produits, des recettes traditionnelles, mais dans un monde contemporain. Justement, parlant de produits, vous nous en avez apporté quelques-uns. Je pense que c'est un beau reflet de toutes les différentes communautés qui sont présentes ici en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques-uns de ces produits ? Oui, alors déjà, en fait, quand on parle de région pacifique, hein, on parle de bananes, on parle d'igname, on parle en fait de produits tropicaux. Après, voilà, on a actuellement de la mizuna, donc ça c'est une salade japonaise. Il y a eu des influences en fait externes. En fait, les cultures culinaires, les différents ethnies qui composent aujourd'hui la Calédonie sont venus avec leurs produits. Et c'est comme ça qu'en fait aujourd'hui on a une diversité dans ce panier en fait que j'ai récolté hier chez mon maraîcher. Et ben il y a 51 espèces. Donc c'est quand même fabuleux de voir que toutes ces ethnies qui composent aujourd'hui le Caillou nous ont apporté du bon manger, du bien manger. On va terminer par vous, Larry. Est-ce que aujourd'hui, après toute cette discussion et les invités que j'ai reçus, vous pensez qu'on peut dire qu'il y a une identité calédonienne ? Ah, il y a plus qu'une identité calédonienne, oui. C'est vraiment le reflet de notre histoire et c'est le reflet aussi de notre mémoire que l'on parcourt au travers du goût. Vous savez, ce que je remarque au niveau de la société calédonienne, maintenant, la gastronomie, l'art culinaire, il prend de plus en plus de place. Parce que manger, déjà, c'est un besoin, mais savoir manger, c'est un art. Je pense qu'on a été séparés, hein. Il y a une bagarre de symboles qui se fait là au niveau urbain, où l'on est face à des fast-foods contre d'autres restaurants, contre d'autres personnes qui essaient de faire émerger un goût nouveau ici. Ou du moins, réactualiser le goût ancien. Voilà, c'est comme ça que je vais le dire. C'est l'identité calédonienne. Elle est en train de se construire au niveau culinaire, mais elle existe depuis longtemps. L'art culinaire, c'est quoi ? C'est de montrer que toute culture évolue et toute évolution est culturelle. Et oui, chaque jour, l'identité calédonienne, elle se réinvente au niveau de l'art culinaire. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci Gabi, merci Larry. Merci bien, Eva. Et maintenant, pour terminer, avant de vous retrouver, Patrick, je vous propose de repartir en Pays Néguenais sur l'île de Marais, qui est l'une des trois îles Loyauté, pour vous faire découvrir, ou plutôt redécouvrir, un produit qui est connu depuis des millénaires. Il s'agit du miel. Rencontre avec un apiculteur maréen. Partout dans le monde apicole, on constate la disparition de colonies d'abeilles en raison de la pollution des terres, des maladies et du manque de ressources. La Nouvelle-Calédonie n'est pas touchée par ce phénomène mondial. S'il n'existe pas de statut d'apiculteur professionnel en Nouvelle-Calédonie, notre île comporte tout de même 700 détenteurs de ruches qui gèrent 12 000 colonies réparties sur 1 200 ruchers. Une enquête menée en 2017 par le Centre de promotion de l'apiculture le démontre, avec une moyenne de 17 ruches par producteur. Seulement une vingtaine d'apiculteurs calédoniens possèdent plus de 100 ruches. Le plus gros cheptel en possède 400. La production annuelle de la Nouvelle-Calédonie se situe autour des 150 à 200 tonnes en fonction des conditions climatiques. Les miels calédoniens sont donc d'une qualité telle qu'ils sont régulièrement récompensés lors des concours agricoles et particulièrement ceux des îles Loyauté. Cette année, c'est par exemple le miel tropical foncé produit par Jules Hussiquet à Lifou qui a remporté une médaille d'or au Salon de l'agriculture 2019. L'île de Marais, sa voisine, produit aussi d'excellents miels. Ils sont une dizaine d'apiculteurs comme Albert Yehouillet de la tribu de Wakone. Ça, c'est un peu comme chez nous, les Kanaks.
En disant quand tu arrives avec un petit geste de respect, et puis voilà. Moi, c'est par respect avec les abeilles, voilà, je présente avec la fumoir. Ça, c'est pour les adoucir, hein, pour dire que voilà, on est là, on se présente pour tirer voilà, le gâteau de miel, et puis voilà. On dit bonjour avec la fumée, et puis voilà, eux, ils nous respectent avec la fumée. J'ai mis un peu partout mes ruches. Là, ici, je possède 5 et à la maison, une vingtaine de ruches. Et dans le champ traditionnel aussi, une dizaine. Pour tirer, moi, j'ai une autre façon. Normalement, j'ai un extracteur de 12 cadres, mais je préfère tirer avec le passoir. C'est ça qui fait peut-être le goût. Et après, c'est ma femme qui va dans le marché de Tadine, sur le marché de Tadine, ou sinon, il y a des clients qui viennent à la maison. Soit il y a des marchés qu'on organise, soit c'est la province ou la commune qui organise, et puis voilà, on achète une sommière. Ben moi, c'est le meilleur saison pour tirer, c'est surtout la saison chaude. Parce que quand c'est saison froide, il faut pas les déranger aussi, ça c'est... Après, c'est pour eux aussi, pour manger. Parce que la saison froide, c'est là où il n'y a pas trop de fleurs. Alors que la saison chaude, c'est là où il y a trop de fleurs. Et puis là, tu peux profiter pour tirer le mire. Plaisir, mais après j'ai vu l'importance du travail du miel, voilà, c'est pour les plantes, et après c'est pas aussi pour la santé, hein, que depuis que j'ai commencé le miel, j'ai arrêté le sucre avec ma fille, j'ai arrêté le sucre, voilà, on boit avec le miel, puis s'il n'y a plus de miel, on continue à boire sans sucre, c'est ça qui est important, et puis c'est bon aussi pour la santé. D'après le centre de promotion d'apiculture de Bogen, on ne peut pas faire de réelle différence entre les miels des îles et les miels de la Grande Terre pour l'instant. Par contre, on sait que le miel des îles Loyauté est le plus apprécié par les Calédoniens, notamment grâce à son goût doux de bonbons. Le miel le plus rare que nous possédons sur le caillou, c'est le miel de palétuvier, qui peut développer un goût salé comme c'est le cas à Ouvéa, une autre des îles Loyauté. La production locale ne représente que 0,1% de la production mondiale, mais grâce à sa biodiversité exceptionnelle et un cheptel de qualité, les différents miels de la Nouvelle-Calédonie ont de beaux jours devant eux. Oh là là, Mériba, vous nous ramenez du miel, hein ? Moi, j'ai envie de manger du miel de marais, hein ? Il paraît qu'ils le servent aussi dans les bouteilles carrées ici, hein ? Bah, je ne sais pas si vous savez ça, Valérie Meunier. Oui, absolument. Mais vous êtes madame francophonie ici, en Nouvelle-Calédonie, on peut le dire. C'est la directrice du CREPAC, ça veut dire Centre de Recherche et d'Échange International du Pacifique. Et bah, vous êtes heureuse parce que la Nouvelle-Calédonie a adhéré en 2016 à l'OIF, à l'Organisation Internationale de la Francophonie. C'est le dernier membre associé en date. Oui, exactement. Et avant, il y avait juste le Vanuatu dans la région. Donc, on est très, très heureux, effectivement, d'avoir adhéré à cette magnifique organisation internationale de la francophonie. Oui, ça veut dire quoi en fait, adhérent de la francophonie quand on est calédonien ? Alors on est membre associé pour l'instant, on n'est pas membre à part entière, mais déjà ça nous permet de mettre en place des actions de coopération avec différents pays de la région, en particulier le Vanuatu, mais également avec d'autres pays. Et puis il faut dire quand même que l'OIF soutient l'initiative mise en place par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui est le Forum francophone du Pacifique. Oui. Et donc c'est un événement régional qui accueille tous les ans, on va dire environ 40 invités régionaux qui œuvrent tous les jours pour faire de la langue française, voilà, une langue qui est parlée. Ouais, c'est extraordinaire. Parce qu'on se disait qu'évidemment, il y a toutes ces communautés qui vivent ici. Alors, on parle toutes sortes de langues. Est-ce que le français ne vit pas au détriment, finalement, de l'existence de ces langues ? Non. Parce qu'évidemment, il y a le mélanésien, il y a le polynésien, voilà, et toutes les langues. Non, absolument pas. Le français est la langue de communication des Calédoniens. Effectivement, on parle français en Nouvelle-Calédonie. Mais le français ne se fait pas en opposition avec les autres langues. Bien au contraire, on est très fiers en Nouvelle-Calédonie d'avoir plusieurs langues. Donc, il y a les 28 langues kanak que vous avez un petit peu évoquées. 28 langues kanak. Ah, dites-moi, vous les parlez toutes. Hein. Oui, absolument. Hein, non, j'en suis bien incapable. Donc il y a ces langues kanak, il y a les langues polynésiennes, les langues de Wallis et Futuna. Effectivement, il y a différentes communautés qui existent en Calédonie et on est riche, ce territoire est riche d'un métissage et c'est ça que nous, on essaye de vendre aussi hein, aux publics étrangers qui viennent au CREPAC tous les ans, qu'ils soient australiens, néo-zélandais, japonais, etc. Et donc on leur vend aussi un petit bout de ce métissage calédonien. Oui,
Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'au fond, c'est ça qui fait la richesse. Qu'on dit que c'est toutes ces langues, c'est la francophonie, c'est pas que le français. Mais absolument, ouais. La francophonie, c'est pas que le français. Ce sont aussi des valeurs que nous portons. Et lors du Forum francophone du Pacifique, on les porte haut et fort, ces valeurs, que ce soit évidemment la démocratie, l'état de droit, l'égalité entre les hommes et les femmes, mais aussi toutes les valeurs autour de l'éducation au changement climatique qui sont devenues un enjeu essentiel aujourd'hui. Et nous, au CREPAC, à notre petit niveau, j'ai envie de dire qu'on agit aussi par rapport à cette problématique. Et on a mis cette année en place des séquences pédagogiques autour de océan et changement climatique. Et ces séquences vont rayonner dans la région. Donc, voilà. Ça veut dire que la francophonie va aussi sauver les océans. Disons qu'on y contribue à notre petit niveau. Non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'on se disait c'est qu'au fond, ici, pour y avoir vécu, je le sais, les silences parlent. Par exemple, les Kanaks, c'est absolument extraordinaire. Ouais. C'est qu'il faut laisser parler les silences. Ouais. Il y a des mots, vraiment, les mots ont une profondeur. Absolument. Nous, on a tendance à trop parler. C'est vrai. On va s'arrêter d'ailleurs. Hein. Et c'est vrai que quand on accueille des publics australiens, néo-zélandais, on a envie aussi de leur faire découvrir un petit peu ce monde Kanak. Et c'est pour ça qu'au CREPAC, on leur enseigne le français. Naturellement, mais on leur donne un petit goût aussi de la culture kanak. On les emmène au magnifique centre culturel Chibaou, par exemple. Ouais. On travaille aussi avec une maman d'Ouvéa qui s'appelle Namena et qui organise des bounia, qui fait du tressage. On a vu tout à l'heure le bounia, hein, voilà. La recette hein, tout à l'heure. Voilà, qui fait du bounia, qui fait des tressages. Et en fait, c'est ce qui marche chez nous, c'est-à-dire que les séjours d'immersion linguistique y plaisent parce que c'est la langue française, mais c'est aussi toute la culture de la Calédonie que l'on promeut. Ouais, allez, on va réécouter tout à l'heure Veima. Moi, j'ai trouvé qu'elle était géniale avec sa guitare. Elle est là dans quelques secondes. On va continuer d'être en direct parce que c'est la piste de la francophonie sur TV5Monde. C'est la première heure de 20 heures de direct exceptionnel que nous vous faisons vivre sur TV5Monde. Et puis, c'est tellement exceptionnel que dans quelques minutes, alors on va changer, on va partir là, loin, loin, loin. Enfin, pas trop loin par rapport à ici. Mais on va retrouver Nidia Paliakara. Nidia, elle est en Thaïlande. Elle est à Bangkok, Nidia. Alors, on va vous retrouver dans quelques minutes, j'imagine, avec beaucoup d'invités. Beaucoup de surprises. Et bonjour Patrick, bonjour Nouméa. Et oui, nous on arrive en tuk-tuk électrique. Attention à l'Alliance française de Bangkok qui nous accueille ici pour la piste de la francophonie qui continue. Et je suis avec mes invités. Bonjour, bonjour les invités. Ça va, j'ai pas commis d'accident. Hein. Tout va bien. Et d'autres invités nous attendent également là-haut. On va monter tout de suite et vous verrez que la Thaïlande nous réserve beaucoup de surprises en matière de francophonie. À tout à l'heure. Oh, merci Nidia, on vous envie. Vous êtes dans un tuk-tuk. Ben, nous, on est revenu là. On va vous retrouver dans quelques instants, Nidia. Merci à tous nos invités. Merci Mériba, vous nous avez donné vraiment envie de découvrir la Nouvelle-Calédonie, côté culinaire et puis tout le reste. Merci beaucoup Valérie Meunier. Merci aux équipes de Nouvelle-Calédonie, la première, qui nous accueillait ici, Nathalie Délé, à la coordination, toutes les équipes merveilleuses à la Calédonie. C'est vraiment... Ça bat fort dans le cœur. Veima est là, elle va chanter encore pour vous en direct. C'est offert, c'est cadeau. Ne ratez rien. C'est la piste de la francophonie qui continue sur TV5Monde. Merci à tous, on était à Nouméa. A tout de suite avec Veima. Douleur, douleur, mon pays va mal. Douleur, douleur, son esprit est pâle. Douleur, douleur. La jeunesse se cherche dans la douleur. Couleur, couleur. Se débat et se noie dans les pleurs. Ça fait cool, cool, cool shot. Ça fait vivre le racisme, vive la violence. Cool, cool, cool shot. Hey, non, non, non. Kanaki, ma Calédonie, tu te renies. Ah, tu confonds tout mon pays, non. Souffrir les vieux qui veillent sur nous, mon pays. Hey. On se renie, on s'exclut soi-même. Au Kanaki, Calédonie, ah ouh. On fait souffrir les vieux qui nous observent. Oh non, 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 non. Hey. Non, mon cœur se meurt. De la rancœur, non, les questions d'honneur ne se règlent pas dans la douceur. Oh, couleur, couleur, non,
Retrouvez l'actualité de la semaine en langue des signes. L'hebdo signé, le samedi à midi sur la première. On présente ces objets comme les témoignages de peuples primitifs. Même s'il y a le musée de l'homme qui est un super musée, ça reste quand même quelque chose qu'on ne considère pas comme un art, vraiment. C'est de l'ethnologie, de l'ethnographie. Et donc Jacques Kerschage va changer tout ça en faisant rentrer ces objets au Louvre. Ça a été une révolution. Ces objets, dans leur culture d'origine, n'avaient pas vocation à être conservés. C'est nous qui en faisons des objets intemporels, universels. C'est une approche purement occidentale. La route des arts, regard sur les objets polynésiens, dans Itinéraire, mardi à 20h sur la première.